Agriculteur, agricultrice, en activité ou en devenir, vous êtes par ce métier si particulier engagé dans un projet de vie qui est souvent exaltant, mais qui, malheureusement, peut aussi sombrer dans la galère. Est-ce la raison pour laquelle les agriculteurs traînent la triste réputation de se plaindre sans cesse? Alors vous, à l'inverse, vous voulez légitimement vous épanouir dans l'agriculture et éviter de perdre votre vie à la gagner. Vous vous demandez comment mettre le maximum de chances de votre côté, ou même vous remettre en selle éventuellement dans un nouveau projet. Ce message s'adresse à vous. Ou je ne vous promets pas la lune, mais un éclairage sur les conditions de réussite. Dans un monde du travail aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Stress de la vie urbaine, restructuration des entreprises, domination des financiers, pression de la productivité, menace sur l'emploi. Alors, un jour, peut-être vous êtes-vous dit, je vais chercher à la campagne une vie plus équilibrée, je vais m'installer en agriculture et y trouver ma place. L'herbe y est sans doute plus verte qu'ailleurs, mais on le sait aussi, la terre est basse. Faut-il être fils ou fille d'agriculteur? Eh bien, la transmission familiale aide, bien sûr, mais croyez-le, elle n'est pas indispensable. Des tas d'exemples le démontrent, en particulier dans l'agriculture de groupe. Conduire une ferme ou une exploitation agricole aujourd'hui est un choix qui engage au-delà du métier, que ce soit en individuel ou en collectif. Projet professionnel d'abord, projet de vie surtout. L'aventure, pour stimulante qu'elle soit, n'est évidemment pas sans contraintes, ni sans risques. Voyons ensemble comment vous pouvez y trouver votre compte, mieux, vous épanouir au travail à la ferme, faire ce que vous aimez, aimer ce que vous faites, et en être fier. Je vous propose une série d'une douzaine de vidéos regroupées en 4 modules. Fonder solidement son projet, se gérer soi-même, conduire l'entreprise dans un esprit d'ouverture, entretenir des relations harmonieuses. À regarder chez vous autant de fois que vous le souhaitez, seul ou en famille.